Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. On se retrouve aujourd'hui pour Magnifique intro. J'ai pas fait exprès, t'as secoué la manette. Et dernière vidéo, ça y est. Ouais, et en fait, on vous montre. Pourquoi dernière vidéo? Parce que hier, nous avions fini le buzzer et il nous manquait les 999 lunes, sachant qu'on pensait qu'il ne se passait rien à 999 lunes, et en fait si, donc nous avons décidé de refaire une vidéo. En fait, normalement si, ça se trouve non. Normalement si, donc si... Moi tu me pousses, mais parce que je tourne. Bah, attends. Et donc en fait ça c'est la technique ultime pour farmer, voilà. Hein. Donc, alors là, il y en a d'autres, mais celle-ci elle est bien. 2 heures entre la fin de l'autre vidéo, puisqu'en fait on les a fait le même jour. Non, 1h30, parce que je suis pas allé direct à ça. Ah ouais, bah 1h30. Ouais, en gros 1h45. Et j'ai déjà eu... Oui, mais sauf que t'as déjà eu 9999. En 1 heure à peu près. Et mais j'ai pas été vite, hein. Y a moyen de faire beaucoup plus vite, je sais très bien. Mais parce que comme vous le voyez, Mario argent, donc c'est-à-dire qu'on a acheté toutes les tenues. Ça y est, comme ça on a toutes les tenues. On a toutes les tenues, comme ça personne peut nous dire oui, vous avez pas fait 100% des tenues. On va garder ça là-bas et puis voilà. Donc là on va partir pour le... pour mettre dans l'Odyssée. Ouais. Non, pour acheter. Ah, non, pour acheter. Ah oui, bah, j'aurais dû les acheter ici. Non, je les achète au Royaume Champignon directement, ou alors on les achète ici pour aller après au Royaume Champignon. Ouais, on va les acheter ici. D'accord. Allez, comme ça ils vont voir ce qu'il nous dit. Ouais. Faut pas hésiter à mettre un action de pouce bleu, parce que c'est probablement la dernière vidéo de Mario Odyssey, puisque là on donc aura vraiment tout. Un peu une vidéo décousue, sachant que s'il n'y a pas grand chose à faire, bah, on ira faire les goggles. On ira faire les. Voilà. Bah on ira déjà finir les 2 chapitres morphoses qui nous manquent. Regardez juste ça, du coup, bonjour, bienvenue dans notre boutique. Et bien voilà. Voilà, il y a plus rien, tout acheté. Donc on a la tenue de Bowser. De tout. Regardez, de tout. Et la tenue de Waluigi, on a la tenue de Mario, on a celle-ci. Ouais. Qui est très bizarre parce qu'en fait il a pas de yeux. Il a pas de yeux. Ouais, alors que là il y a des yeux. Ouais, mais là c'est en fait c'est la version Nintendo 64, mais ouais, du coup, mais ça va être très bizarre. Donc on a ça, c'est magnifique. On a eu aussi celle-ci qu'on n'avait pas eu avec Mario Singe. Diddy Kong. Mario Singe. Mario pas Singe, Mario Waluigi. Et on a eu aussi ça. Ça, mais du coup il n'y a pas le haut qui va avec. Et il y a aussi, si, on a eu d'autres trucs mais aussi. Mais là. Non, ça. Que j'ai acheté. Voilà. Ouais, ça. Ça aussi qu'on a acheté. Ouais, Crazy voilà. Cap. On n'avait toujours pas eu. Et il me semble que c'était tout de ce qu'il y avait acheté. Non, il y avait autre chose, je crois. Non, c'est tout. Non, c'est ça. Ah bon? Ah ouais, c'est ça. Et puis après, le dernier, c'était ça. C'était ça. Ce qui était plus cher. Du coup, on va se remettre en Mario Metal parce qu'il est chelou, donc j'aime bien. Et puis, on va lui mettre une casquette dorée. Ouais, Mario Metal roi. Comme ça, Capi, il a une truc stylé. Il est horrible. Oh mon dieu. Oh, si, pas trop mal. Ah, mais je suis pas là, moi. Ah, bah non, t'es pas là. Bah, tu sais que t'étais venu pour acheter des lunes. Bah, ouais, t'en as toujours pas trop besoin pour le moment. Alors, on va voir si on a besoin de joueur 2. Ouais, ça se trouve, il y aura rien en fait. Ça se trouve, il y aura strictement rien. Et on va acheter toutes les lunes correspondantes. Donc, il nous en, on en a 921, il nous en manque 79. Donc, on va en acheter. Non, mais du coup, t'aurais pas dû en acheter. Parce qu'en fait, là, tu en as acheté 10, ouais. 10, et après 1, ouais. 9 fois. Donc, 10. C'est pas très intelligent ce que t'as fait. Ouais, on va faire en or au pays de Bowser. Au château de Bowser. Au pays de Bowser. Donc là, on augmente de 10, de 10, de 10. Là, il y a tous les chapeaux accrochés. Sombrero, Mario. Ah, oui. Donc, on en rachète 10. Bonjour, j'en achète 10. C'était très passionnant. Ah ouais, bon, c'est pour ça que je vous ai passé déjà tout le farm de la monnaie, parce que c'était très passionnant aussi. Hein. C'était la même chose pendant 40 minutes. Un peu plus même. Un peu plus parce même. Parce qu'on a acheté toutes les tenues. Ouais. Donc comme ça, bah, on reviendra sur Mario Odyssey et on fera... Bah, à moins qu'il y ait un DLC. À moins qu'il y ait un DLC qui serait très... Du coup, on aura vraiment tout. Alors, il manque, oui, des chapeaux morphoses. 2 chapeaux morphoses, et comme vous nous l'avez dit dans les commentaires, c'est la chapeau morphose de la plante piranha feu et de la plante piranha poison. Voilà. Voilà. That's all. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est... lui faire bouffer un caillou et après mettre sur Capi. C'est assez simple, bon. Il n'y a pas de quête pour ça, donc... Ça sert un peu à rien. Voilà. Alors mais que bon. 999 lunes, c'est un et truc et puis les stylé. Costumes aussi, c'est stylé. Les costumes aussi, c'est stylé d'avoir 100% des costumes. Donc 40, hein, plus que... Ah mais du coup, tu vas en avoir 80 ouais. À gauche. Ouais. C'est stylé. Ah, c'est stylé. Est-ce qu'on peut en acheter plus que ça? Apparemment, la limite de lune dans le jeu, ce serait 2150. Ah ouais? Ouais, t'as un truc dans le genre. J'ai regardé quelqu'un qui a trop mis une théorie en anglais. Il parlait d'une théo de comme quoi il y aurait une limite de jeu, ça serait... Enfin, une limite de lune, ça serait 150. C'est en fait, après, tu peux en acheter encore. 2150. Bah, en fait, tu peux toujours en acheter. C'est un peu bête. C'est je sais pas à quoi ça sert, mais... Alors, c'est la dernière vidéo. Hein. 41 jours qu'on fait ça. Hein. Ouais, 41 jours ça qu'on va fait nous ça. Manquer. Ouais, ça va grave nous manquer. 70 et 80. Comme ça, on va en prendre une de plus, pas grave. Ah oui, bah oui, du coup. Mais il du nous coup, reste en encore 1000. Du coup, il va en avoir 1000. Bah non, ça marche pas. Bah oui, ça marche pas. Affaire en or au château de Bowser. Donc voilà, nous en avons... 80. 80.
Au revoir. Et donc... Il est trop mignon, mon petit Mario. Non, il est horrible, il a pas dû. Ouais, mais mignon. Regarde, il brille, il brille. Mario ! Mario, viens me chercher ! Bah non, tu vois, si. elle est partout, elle. J'avoue, ouais. Elle est en triple, en quadruple exemplaire. En ça aurait été marrant quand même. Enfin, ça aurait été un peu mieux qu'elle... On y est. On y est. Plus là. On y est. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'honneur à Kim, qui nous a aidé tout le long de ce parcours, de mettre le chapeau Capi sur. Sur. Le globe. Sans Capi, sans aller dessus directement. Allez. Bonjour Capi, au revoir Capi. T'hésites, hein. Ouais. C'est la fin. Est-ce que vous voulez la fin? Non, mais tant pis. On l'aura quand même. Oh, qu'est-ce qui va se passer? 999. Ça y est. On a collecté. Toi, tiens un peu un. Toi, tiens bien. Tiens, toi, bien. 999. Là, je crois qu'on peut se dire bravo et plutôt deux fois qu'une. Oh, ça me fait penser que j'ai une petite surprise 3. On va donc voir au château de Peach. Donc nous allons. Non, moi qui fais. Oh non. Oui. Donc nous avons les 999 lunes. Nous sommes à 100%. Et donc il y a une surprise. Hein. Effectivement, il y a une surprise. Alors, on savait toujours pas ce que c'est puisqu'on n'a pas vu vos commentaires. Mais vraiment, hein, on sait pas ce que c'est. Hein. On sait pas ce que c'est, qu'on n'a pas vu vos commentaires. C'est sûr que tu sais pas ce que c'est. Hein. Ah non, je sais vraiment pas. Non, c'est pas une blague. Je sais pas ce que c'est. On va savoir. Mario Time. Royaume champignon, on s'en fout. Quoi? T'as vu? Oui. Oh! What? Il a un chapeau! Ah, mais j'avais vu! J'ai mis mon souvenir depuis tout! Ah, c'est excellent! Il a un chapeau! Il a un chapeau! Et c'est que ça? Non, il y a quelque chose. Tu penses? Bah, j'espère! On va aller sur le chapeau! On va aller sur le chapeau! Salut les gros! C'est trop bien! Ouais, il a un gros chapeau, mais je m'en souvenais plus! Il a un gros chapeau! C'est trop mignon! C'est le chapeau Mario! En même temps, bah, c'est un peu le thème de, ce jeu, hein. C'est le chapeau. Bah, le chapeau, ouais! Du coup, c'est là. Ah oui, c'est là. Reviens par là. Va là-dessus. Vas-y, vois rien. Dépêche-toi. Et tu peux encore monter. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? T'as vu ça ou pas? Non. Attends. Qu'est-ce que c'est? Donc, on est sur le chapeau tout mou. Elle est trop bien faite, la texture du chapeau. Ouais. Bon bah vas-y hein. Oh, il y a un truc de fin. Trop mignon. Merci d'avoir joué. Ok. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Je peux pas aller là-dedans. Tu peux toujours pas rentrer dans ton monde. Non. Combien de temps on a joué d'ailleurs? Bah, je ne sais pas. On pourrait savoir. Comment on sait déjà? Ah oui, quand même 45 heures ou plus. Hein. Ouais. Quand même 45 heures ou plus. Hein. 5 heures à Sniper Clip. 80 heures. Oh là là, 80 heures ou plus. 50 heures quand même. Ça, 3 heures. 50 heures à Mario Kart, c'est pas mal. Ah! À bientôt! Sonic Forces. Ah, ouais. Bah oui. 130 heures. Ouais, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas pareil. 20 heures, bon, c'est un petit jeu. Ça va. Ça va parce qu'on a clairement pas joué hors vidéo sauf à performer. On a jamais joué hors vidéo. Non, on a jamais joué hors vidéo. À part là où t'as joué une heure et demie pour donc, avoir des choses. Ça classes. Va. Ah si, c'est pour un petit peu pour tes... ouais, bons, ouais. En gros 40 heures de jeu. Il y a 40 heures de jeu. Voilà, bah, ça vous fait une dernière vidéo pour profiter de ce magnifique paysage de Super Mario Odyssey. On peut pas le quitter, Super Mario Odyssey. C'est impossible. C'est la fin. Ouais, ça y est, c'est le dernier épisode. On est obligé de rendre la manette. Hein. Oui, oui. On va pas pouvoir rajouter là. Si on veut rajouter, on va rajouter. Je testerai bien un truc. Vu qu'on a fini, je vais sauvegarder. Et je vais faire le glitch du tout début, comme ça va être marrant, je vous le montre. C'est sur ma partie à moi. Ouais, c'est ça. C'est instant souvenir. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'était Bonneton, c'était il y a 41 jours, on a commencé le jeu, c'est un super jeu en tout cas. Et on est tombé là-dessus, on a fait, oh mais c'est trop stylé, c'est trop beau. Ouais, c'est trop stylé, c'est... C'est vraiment une séquence émotion, hein, musique triste et tout. Ouais, c'est... Sortir les mouchoirs et les violons. C'est juste énorme, c'est... Ils ont réussi à faire un super jeu en fait. Ben... En prenant des... Alors, il y a beaucoup de références à Super Mario 64, donc des fois c'est
pas dérangeant, mais on se dit bah, il y aura plus jamais ça. Il y aura pas de référence à Super Mario 64 comme celle-ci. Mais du coup, il y aura peut-être des références à Mario Galaxy, tu sais, ou à Super Mario Sunshine. Hein. Bah, il y en a tellement de Super Mario, des Super Mario que, enfin, il y en a tellement. Donc là, je verrai jusqu'à la falaise là. Ouais, là où il y a le dinosaure. Pour vous montrer un peu l'histoire du glitch qui est assez marrant, j'espère juste que. Bah, il n'a pas été patché. Ça, on n'a pas fait de mise à jour. Non, on n'a pas fait de mise à jour. Ouais, c'est peut-être cette mise à jour aussi qui te patch. Hein. Ouais, c'est possible. En fait, ouais. Tu peux aller jusqu'au boss sans le déclencher, c'est un peu bizarre. Ça se trouve, la mise à jour, elle améliore le patch. C'est-à-dire que si tu y vas, ça déclenche le boss, du coup, les speedrunners, ils vont être contents. Parce que du coup, t'as moyen de gagner un peu de vitesse. Ah oui. Parce qu'en gros, t'es pas obligé de refaire toute la colonne au début, ouais, etc. En tout cas, faut nous dire un peu vos ressentis par rapport à jeu. Ah bah, faut que tu rebattes. Ouais, bon, ça va aller vite. Mais en soi, c'est... Attends, je suis... Non, t'es pas là. Comment ça, je suis pas là? Ah, attention, flèche rouge! Ah si, t'es là. Ah, ça met direct en dur. Ah, non, je suis pas là. Mais je peux plus bouger. Elle contrôle pas mon truc. Mais je ne touche à rien. En fait, on est deux fois la manette. Attends, t'es prête? Contrôle Mario. Vas-y, lâche la manette, à moi. En fait, t'as deux fois la manette 1, c'est très drôle. Je savais pas que ça faisait ça, moi. D'accord. Et pourtant, je suis la manette 2. Ouais, ouais, mais on contrôle tous les deux si on veut. D'accord, en fait, si j'ai envie de t'énerver un petit peu, je bouge Mario. Mais c'est un super jeu, l'univers est super, ouais, bien. Le côté très obscur, c'est... Donc pays des chutes. C'est vraiment bien, parce que là, voilà, ils ont mis... C'est l'esprit du jeu, c'est... Voilà, c'est... Donc en fait, il y a un truc à faire. Quoi. Merci d'avoir joué. Et ce qui est dommage, c'est les gens qui vont pas aller jusqu'au bout. Alors, oui, on sait, c'est pas... Normalement, on est censé casser ça, regardez. Vous voyez, on est censé casser ça, donc je coupe Kim encore. Oui. Et en fait, le truc, c'est que... Non, mais vas-y, parce qu'à la base, c'était ça. Donc. Tu vas pas y arriver. En fait, c'est là où faut sauter, et je sais pas comment on fait pour sauter. Mais Mario, il est normal, là. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu comme ça. Hein. En gros, faut sauter là, et il y a moyen d'aller là-haut. Bah, tu peux sauter à gauche. À gauche, il y a un petit renfoncement. Ouais, mais je sais pas comment on fait ça, c'est un peu comme sortir de l'eau. Et c'est quoi ton glitch en fait? Mais en gros, tu casses pas ça, oui, là. Oui, tu casses pas ça. Tu casses pas ça, et du coup, tu vas tout en haut. Oui. Et du coup, le boss, il est pas déclenchable, et du coup, tu passes à travers. Ah oui, c'était ça, oui. Tu vois, c'est ça. Mais là, à droite. Mais non, ça marchera pas, c'est pas là, je te dis. Ah bon? Non, c'est juste là. J'ai vu des vidéos. Mais par contre, je sais pas comment on fait pour... Alors, j'ai compris. Enfin, j'ai vu. Donc, en fait, faut lancer Capi, et au moment où il revient, faut sauter, et après, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Au moment où il revient... Voilà. Ah, il y a quand même un mur. Il y a quand même un mur. Ok, d'accord. Bon, il y a quand même un mur, donc faut passer au bon endroit. Ah, c'est bon! Wouh! Kim, pendant que Kim dit j'ai voulu pas, on va vous le mettre, c'est la seule fois où j'ai réussi. En fait, c'est au ralenti, vous le verrez. Ça se passe, mais il y a une faille en fait. Il y a une faille. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Vous avez vu. C'est que t'as triché. C'est que j'ai triché, c'est qu'en fait, le bloc n'est pas tombé. Voilà. Donc là, c'est une des failles. Donc elle a dû peut-être patcher, donc je pense que c'est plus faisable. Il y a une mise à jour qui a été faite il y a pas très longtemps, il y a un ou deux jours. Ouais, et nous, on l'a pas faite avant. Et comment on va là-haut, hein? Eh ben, aussi simplement que ça, c'est qu'on n'y a même pas pensé. Ouais, mazette, mais c'est quoi ce monstre? On n'y a même pas pensé quand. Tu sais que t'as pas de joueur 2. T'as encore contrôlé mon Mario. Ah oui, pardon. En fait, tu te mets là. C'est assez simple. En plus, c'est un glitch aussi, ça aussi. Hop, et tu fais hop, hop. Ah, yes! Tu vois, on n'y pensait pas. Ouais, et en fait, c'est ultra bidon et ça t'évite de faire tout le début. Ah, bah oui. Donc, ça, aussi pour le speedrun, je crois que ça marche un peu. Parce qu'il y a certaines étoiles qui sont sur le côté où c'est trop long. Ouais, tu prends ça, faut courir. Et faut prendre le trampoline. Et ça t'évite de faire tout le tour. Donc, je vous montre un peu les trucs, il y a pas mal de glitch. Hein. Non, mais faut prendre le trampoline. Ah, là, c'est bien. Ah, là, voilà, bien. En fait, du coup, on arrive là-haut. Donc, via ça. Et regardez-moi ça, ça ne se déclenche pas. Ouais. Et tu peux même passer à travers le champ. Ouais. Et tu peux. Par contre, si tu touches elle, tu perds un point de vie. Ah bon? Ouais, c'est assez bizarre, regarde. T'es prête? Ouais. Voilà. C'est un peu bizarre. Hein. Ouais, alors que le champ, tu. Ouais. Tranquille quoi. Donc tu peux pas le prendre, tu peux rien faire, tu passes juste à travers. Donc c'était un glitch que j'avais envie de vous montrer quand même, comme c'est une des dernières vidéos sur Mario et puis ouais, ça permet de parler d'autres choses. On avait pas fait de glitch. Il y a un autre glitch aussi, on va le faire vite fait, puisque je pense que là, si on coupe les échecs. Ça va être très court. Donc là, voilà. Donc en fait, ça, c'est un glitch sans être un glitch parce qu'en fait, ça te bloque le jeu.
le vrai glitch c'est le dinosaure que tu prends pour aller là-haut. Parce que là tu peux aller direct au boss. Mais là en fait un speedrunner il va pas faire ça parce que en fait Y a pas d'intérêt. Il y a pas d'intérêt parce qu'il est bloqué. Bah oui. T'es obligé de retourner en bas, donc en fait après tu peux retourner en bas. Hein. Et après tu débloques le truc. Ah il était là-haut le cœur, je me souviens pas. Mmh. En même temps ça fait 40 jours hein. 40 jours quand même. Ouais. Donc on redécouvre hein. Ouais, c'est une petite vidéo un peu bonus pour la fin, ouais, pour montrer ce que ça faisait d'avoir 999 lunes. Donc par contre tu peux débloquer le drapeau alors que t'as pas débloqué ça. Et donc hop, on peut aller dessus. C'est mignon. Hein. Ouais. Et donc c'est celui qu'on débloque normalement en cassant le bas, avec le chomp qui est là. C'est ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va passer à la partie, la nôtre, on va revenir sur la nôtre partie. Alors le glitch, sur le pays de la mer, il se trouvera ici, alors je n'ai pas du tout au bon endroit, et en fait c'est ce truc là, faut le faire s'en aller, va-t'en, voilà, il faut rester là où ça va respawn. Faut se mettre au-dessus, de toute façon t'es obligé de te faire toucher. Voilà. Voilà. Et normalement, j'ai reçu le premier coup, c'est une blague. Ouais. Et donc là normalement tu peux passer à travers tout. J'ai réussi du premier coup. Ah mince, je suis allé dans d'autres choses, je peux pas aller partout. T'as vu, j'étais en dessous du ouais. coup. Ouais. Ah, bah j'ai réussi du premier coup. Oui, bah attends, on va voir si tu peux réussir. C'est toujours. C'est il respawn. Il respawn toujours de la même manière. Ah non. Ah non, du coup là je l'ai repris. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est assez simple celui-là. Et celui-là, il n'a pas été patché. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont été patchés, qu'on a essayé. Ouais, celui de New Donk City, on peut rentrer. Tu vois là, c'est pas bon. Parce que je l'ai touché et pourtant, j'ai pas sauté au moment. Là c'est bon. Oui je sors. Et après du coup... Ouais. Tu peux passer à travers tous les éléments. Mais... Ouais. Bah, peut-être pas tout mais... Là. Ouais. Donc voilà, après c'est un peu cheaté. Alors ça sert vraiment à rien celui-là. Ah ça sert à rien. Bah ouais, c'est comme l'autre, comme tu passes l'autre, à travers. Ouais. Mais par contre il y a un endroit, c'était bizarre. Genre je peux pas aller là. Bah celui-là est vraiment facile à faire. Ah ouais. Mais t'es où? Je suis dans le truc. Ah ouais. Ok. Ok, let's go. T'es au fin fond. Je suis, en fait, quand tu passes ici, ça fait bugger. Mais du coup, tu vois tous les indices. Ah, c'est trop bien. Et du coup, si je sors, c'est bon, Mario est sain et sauf. Mais du coup, Mario, lui, il est pas. Ah non, par contre, non, c'est la bestiole. Bah non, t'imagines, sinon le. Donc la deuxième fois. Non, ça a l'air d'être bon. Hein. Ah non, la deuxième fois, ça marche plus. Donc hier pop, tu fais ça, on va remontrer encore une fois, comme deuxième truc marrant. On attend à l'endroit où il va spawn, pile pour le milieu, et on saute. Voilà. En fait c'est pour le... tu sors pas de terre quoi. Ah non, c'est pas passé. En fait ça n'est... Ah c'est peut-être pas dans le bon sens, faut peut-être pas aller par là. En fait j'ai eu de la chance hein. Donc là c'est de... il est plus facile que l'autre en tout cas, c'est un petit glitch marrant. Mince. Ah, t'as mal fait. Allez. Ah, ah. Chaud trop tôt. Ouais. Et en fait voilà, bon, si je meurs, on va arrêter là de toute façon. Ah bah voilà. Bon. Ah j'arrive. Ah c'est bon. Ah il a moitié. Va-t'en. Ouais, va en dessous. Voilà, donc là il est en dessous hein. Ah bah là il est en dessous même. Bonjour, je suis en dessous. Et du coup il passe. Carrément à travers. C'est la casquette de Mario. Ah par contre je pense que je suis sorti trop vite. Ah non, c'est bon. Et du coup attends, où est-ce qu'on peut aller? Ah ouais, ça se trouve, tu peux aller là-bas. Je pense qu'il y a une limite. Oh, dans la petite maison. Ouais. Oh. Oh my gosh. Dans l'Odyssée. Oh non, t'as fait bugger. Ah non. Oh, c'est qu'il y a de l'eau en dessous. On est en dessous de la plage. Ouais. Ah ouais, il y a de l'eau en dessous de la plage. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Donc ça c'est un magnifique out of bounds. Ah bah du coup t'as les coffres. Dans la petite maison y'a quoi? Est-ce qu'ici y a la maison qui nous berne pas trop? Ah! Mais y'a rien! Mais quelle arnaque! Y'a juste une porte. Y'a même pas de déco quoi. Ouais, j'avoue. C'est du sable. Ok. Bon, c'est mignon, voilà. C'est un truc vraiment facile à faire. Hein. On l'a fait 3 fois en 3 ouais, minutes. Ouais. Non, c'est mignon. Enfin voilà, c'est une petite vidéo de fin. D'ailleurs, je peux même sortir en dehors de la map. De fin de let's play, en tout cas. Je pense qu'il y a une fin à la map ou pas? Oui, je pense. Bah oui, on était là avec Mario. Bon. On espère que ça vous a plu. Donc, le 999 lunes. Alors,
C'est pas exceptionnel, mais c'est à faire, c'est mignon. C'est mignon, ça rajoute un petit truc, en fait. Voilà. Alors, on a déjà dit notre pensée. Mais bon, il y a déjà plein de trucs de petits plus, en fait. Il y a déjà, si t'as toutes les lunes, t'as le ballon doré, t'as la toile de Bowser qui se débloque au pays de la lune, dans l'église. Enfin, t'as quand même pas mal de petites choses, en fait, qui se débloquent. Tout est vide. À chaque fois qu'on débloque, enfin qu'on finit un truc, quand on a fini le côté obscur, on avait Mario Roi, quand on a fini le côté très obscur, on avait Mario Invisibilité. Enfin, il y a plein de petites choses en fait qui sont mignonnes dans ce let's play et qui méritent qu'on fasse le 100%. Oui, clairement. Ouais. Franchement, c'est un jeu qui mérite qu'on fasse le 100%. C'est ce qu'on a dit à l'autre vidéo, hein, le seul regret qu'on a un peu, enfin la seule déception qu'on a eue, c'est sur le côté obscur. C'est sur le côté obscur, et puis là, on est vraiment déçus d'avoir fini, bien sûr, parce que c'est un super let's play. Nous, c'était notre quotidien pendant un mois et demi, et c'était vraiment un super jeu. C'est triste de finir là-dessus, mais donc, faut pas partir de la chaîne, hein. On fera d'autres let's play, on fera d'autres jeux, notamment, comme on avait dit hier, le DLC de Zelda, quand il sortira, quand on aura un peu plus de nouvelles. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un pouce bleu, un commentaire pour Mario qui est en train de se noyer parce qu'il est de métal et du coup il ne peut pas nager. Non, je rigole. Ah, mais du coup, y a pas de fin. C'était pas censé aller tout au fond de l'eau en fait, il y a un fond. Bah, tu meurs de toute façon. De toute façon, tu vas mourir. Ah, si, tu peux pas là. Ah, je suis bloqué. Ouais, voilà, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de Mario. Attention! Non! Voilà. Du coup, c'est fini. Voilà, on reviendra jamais dessus, je pense. Voilà, à moins qu'il y ait le dernier épisode de Super Mario Odyssey, un super jeu sur Switch. Ouais. En tout cas, si vous l'avez commandé pour Noël, j'espère vraiment que vous l'aurez parce que c'est un super choix. Ouais, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Ouais, c'est un super jeu. Il n'y a rien à dire à part le côté obscur. Après, c'est une goutte d'eau dans la mer immense de Mario Odyssey. Voilà. C'était cool. Ouais. C'était cool, merci à vous. J'espère que c'était cool pour vous aussi. Et du coup, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez! Salut! Salut!